Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour un nouveau sanctuaire. Alors nous allons faire celui qui est là normalement. Ruine obscure. Donc évidemment moi je peux me téléporter, mais bon on va pas le faire, ça va faire comme si bah, j'ai pas le droit. Hein. J'y étais pas encore. Donc pour ça, on part bah, d'ici, c'est plus près. Au moins ou d'ici, bon, c'est pareil. Hein. Ouais, ça vient même. Parce qu'il y a un petit truc à faire quand même, hein, évidemment. Il suffit pas d'y aller. Une petite énigme. Alors attention, il y a un fragment de cœur en fait à trouver là aussi là-dedans. Divers coffres, vous verrez. Bon, les coffres, hein, je voulais chercher, mais il y a beaucoup de baguettes météores. Et puis un fragment de cœur caché dans un coffre. Donc n'oubliez pas de mettre vos détecteurs de coffres. Important. Donc, on met des bottes, ça suffira. Voilà. Ah oui, c'est vrai, oh, il fait chier. Mais non, c'est pas ça. Oh, il est à l'envers. Putain, mais je crois pas. Il soude ma gueule, hein. Voilà. Normalement, vous mettez dans l'autre sens et vous mettez une bombe ici, puis ça avance tout seul. Voilà. Non, mais quel con! Putain. Broutille. Désolé. Voilà, comme ça. J'ai envie de partir d'ici, donc je partirai d'ici. Voilà. Voilà. On met une bombe. Voilà. Et voilà. Évidemment, c'est pas le bon côté. Ah si, c'est bon. Excusez-moi, je n'ai rien dit. Je fais un truc pour aller plus vite. Non, j'ai dû l'utiliser en fait. Ouais, bon, c'est pas grave, on avance. Hein. Faut faire comme en vrai, hein, comme si j'étais pas allé encore une fois. Alors évidemment, vous pouvez y aller. Si vous promenez par là, vous avez l'entrée. L'entrée, je crois qu'elle est là en fait. Hop. Oh, c'est ça, ouais. Mais non, c'est ce que je raconte. C'est pas là qu'on va. C'est là. Bah, l'entrée est là, voilà. Hop. Moi, si j'aurais pété plus vite par là. Pas grave. Ça nous fait marcher en même temps. On n'est pas à 3 secondes près, hein, vous allez me dire. Hop. Donc autant glisser comme ça, voilà, ça nous fait le plus vite. Oh, des monstres.
Hop là. Et on va par là-bas. Alors c'est comme le bois perdu, en fait, vous pouvez pas rentrer comme ça, donc il suffit de toucher dedans et hop. Vous y serez téléporté. Elle est où? Que je me coupe pas de chemin. Voilà, derrière en fait. Ok. De toute façon, ça va plus vite en volant, hein. On va pas se mentir. Donc ça revient au même. On s'y approche de toute façon. Donc, et en même temps, comme ça, mon pouvoir de voler se remet en route. C'est très bien comme ça. Hop là. Voilà, on s'y approche, on s'approche. On va pouvoir tomber d'ici en fait. Oh! Foiré! On la voit d'ici. Ces trucs sombres. Ces trucs sombres. Un peu chiant, mais bon, vous aurez une astuce aussi pour y aller. Au moins pour voir un petit peu plus, on va dire. Bon, vous pouvez tuer les monstres, hein, et vous avez des armes, hein, comme d'hab. Ok. Donc. Ça va un peu plus vite. On va pas se mentir. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Il y a beaucoup d'argent, donc c'est cool en fait. Enfin, de monstres à argent. Et donc, bah, ils pop des rubis, tout ça. Donc, c'est hyper efficace. Et nous y voilà. Donc là, on va voler. C'est sûr, c'est de. Ça marre, hein. Vous ne pouvez pas y nager. Et on y va. Et voilà. Attention, faut toujours rester en l'air, évidemment. Et tâcher d'atterrir vers un truc en flamme. Voilà, donc vous avez plusieurs solutions maintenant. Soit vos baguettes de feu. Voilà. Voilà, donc vous prenez par terre, vous avez beaucoup de Genox aussi, hein, mais bon, c'est lumineux, donc au pire, les garder. Mais moi, je m'en fous, je les veux. Bon, bah attendez, j'en trouve une astuce aussi. Sinon, votre bouclier. Bon, une bombe, si vous voulez vous promener avec, hein, mais bon, c'est risqué. Et sinon, voilà, vous avez ça, en fait, qui vous permet de voir un petit peu. Enfin, tant que vous l'avez, évidemment. Donc voilà. Donc là, vous avez silex, une baguette de feu. Voilà, comme ça, vous voyez. Hop, vous pouvez prendre des trucs si vous voulez. Avance, toi. Bon, excusez-moi, mais j'en profite pour les prendre, hein. Vous êtes d'accord, hein? Donc faut faire ça souvent. Bon, voilà. C'est quoi ça? Oh, il y a un monstre. Sinon, vous avez bah, que ça, ouais. Enfin. Voilà, donc faut suivre votre petite carte en bas, essayer de trouver le chemin. Attention, là, de la. Voilà, il y a du. Hein, oh, pas bon. Ne vous inquiétez pas, vous avez tombé des torches, hein, donc. Voilà. Reviens là. Et l'astuce que je viens de trouver à l'instant, c'est.
C'est si vous avez la tenue, je ne sais pas si ça marche, hein, on va tester en live. Oh, trop classe. Voilà, donc voilà, faut chercher des trucs lumineux. Ah, là, il y en a un. Une torche. Ben voilà. What? Alors évidemment, vous pouvez faire du feu, mais il y en a, hein, je vous rassure. Ça, on s'en fout. Hop. Vous faites du feu, hop. Vous prenez votre torche. Et voilà. Et vous avez quelque part en fait des réceptacles où vous pouvez mettre des torches. Il faut les trouver. Et je ne sais pas où ils sont. Donc faut les chercher. Ouais, vous avez vu, vous avez encore deux torches là. Voyons voir. Ah, il y en a un là. Ben oui, mais bon, faut pas que je vous montre ça tout de suite. Oui, ce genre de choses là. Et en fait, c'est la direction, il nous montre avec sa tête. Vous avez plein de torches, hein. Hop là, celui-là, il nous montre là-bas. Alors, tout dépend par où vous venez, mais en fait, voilà quoi. Donc, mettez bien vos détecteurs de coffre pour tout prendre, parce que franchement, il y a pas mal de choses. Là, il y a un feu pour dormir, pour passer le temps. Et puis voilà. Donc, maintenant, on va y retourner au truc. Si je trouve le chemin. On va y arriver, on va y arriver. Je vais pas me téléporter, ce serait de la triche. Faut faire comme si j'avais pas vu encore. Voilà. Oh, on suit le chemin. Hop. On suit le chemin. Hop. Voilà. Hop. Voilà. 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 Seulement voilà, là il est. Vous allez me dire, ok, c'est tout simple. Mais non, parce qu'en fait, j'ai déjà fait. Seulement la première fois, vous n'avez pas la boule. Parce que vous avez remarqué qu'il faut poser la boule. Et la boule, en fait, ben, c'est quelqu'un qui l'a. Et oui. Vous l'aurez compris. On va se battre. Ça. Hop. Oh. Non. Oh, toujours bouclier, ça permet de voir. Et en fait, c'est un inox. Donc ce que vous faites, enfin moi c'est ça. Hop là. Allez. Et voilà, on n'en parle plus. Sinon avec des flèches, vous l'endormissez et puis vous le tapez dans les jambes. Hein. Voilà, donc là, malheureusement, voilà. Toujours votre bouclier, hein. Ok. Ok, j'ai tout pris. Voilà, donc là, vous prenez la boule. Et en fait, vous la remettez là-dessus et le truc apparaît. Toujours dans le noir, hein, évidemment. Et on y va. Donc là on monte, voilà, vous mettez les tas de trucs et vous rentrez dedans. Hop. Donc par contre, évidemment, il y a un trésor que j'ai déjà pris. Donc attendez, je vais vous dire ce que c'était parce qu'évidemment,
Je ne l'ai plus. Alors. Hop. Bon, on va y aller tout doucement, le temps que je vous dise ce que j'ai, ce qu'il y a dedans. Et dans le trésor, il y avait. On va y arriver. Attention, suspense. Un cœur antique, enfin un petit cœur antique. Voilà. Vous savez tout. Et puis. Eh oui, je vais vous montrer quand même où est le fragment de cœur. Ça sera fait parce que bon, c'est quand même rare, donc on va pas se mentir. Là, et en fait, hop, il est là. Ici, là. Là, vous avez un fragment de cœur dans un coffre, hein, bien sûr. Voilà bleu. Voilà. Et ben, c'est tout pour celui-là. Donc moi je vous dis merci, puis je vous dis bah au prochain. Au revoir.